La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Mérin-Frenet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent, Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, bonjour à tous les petits gourmands, tous les petits curieux qui nous suivent. On est ravis de vous retrouver. Et la semaine dernière, il y avait le salon Omnivore où du coup, on a eu des accréditations, ça nous a fait très plaisir. Et on y a été les 4 jours, on a pu rencontrer plein de monde. D'ailleurs, on a rencontré certains d'entre vous, ça nous a fait très plaisir. Et surtout, on va vous préparer plein de belles choses pour la suite grâce à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Mais en attendant, on se retrouve pour l'épisode du jour qui est avec François Blanc. Et avec François Blanc, on avait très envie de parler notamment de journalisme culinaire, de comment... Oh, je sais pas d'ailleurs. On a voulu parler un peu, c'est un épisode d'actualité vu que son livre sort demain. Et du coup, vous allez voir qu'avec François, on s'est un peu laissé guider par la conversation et qu'au final, on a parlé beaucoup des pâtisseries parisiennes vu que c'est finalement le sujet de son bouquin. On a parlé de comment être journaliste en pâtisserie, les rencontres avec les chefs, les événements, comment ça se passait et puis finalement un peu du coup de toute l'évolution de la pâtisserie ces dernières années, mais principalement, il faut bien le dire, sur la scène parisienne. Voilà, tout à fait. Donc on vous laisse avec cette conversation entre passionnés de pâtisserie finalement. Voilà, là encore, on était au milieu d'un goûter quand on a enregistré. Ça devient une habitude, mais on vous laisse maintenant avec l'entretien. On se retrouve en fin d'épisode. On est ravis de vous retrouver. On est dans un bel appartement parisien et surtout, nous sommes en compagnie de François Blanc, mais alias Omnomnom. C'est ça. Salut tout le monde. Je parle au public comme si on était bonsoir, devant une public. Foule incroyable. Bah oui, là, le public est derrière nous. Il nous acclame. Et du coup, déjà, 2 questions pour commencer. Pourquoi Omnomnom et comment te présentes-tu ? Comment je me présente-tu de manière professionnelle ? Ouais, de manière... Oui, bah oui. En général, je dis mon nom. Et moi, je suis journaliste, c'est mon métier, c'est ce que je faisais avant de travailler dans la bouffe, j'étais déjà journaliste. D'accord. Voilà, avec quelques à côté qui sont le CM ou le community management, comme on dit, et auteur aussi, enfin, nouvellement. Mais je suis avant tout journaliste. Et la première question, c'était quoi ? Pourquoi Omnomnom ? C'est une blague d'une vieille série anglaise dont le nom m'échappe. Mais il y a Omnomnom, grosso modo, c'est miam 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 en anglo-saxon. Et il y a un personnage qui fait Omnomnom, et c'est de manière un peu ridicule. Et c'est... Parce que du coup, tu as fait un site qui s'appelait Omnomnom. Voilà, qui s'appelait omnomnom.fr. Et du coup... Mais toujours, pourquoi on en parle au passé ? Ce blog existe toujours, c'est vrai, il est mis à jour de temps en temps. Mais en gros, je changeais de secteur et je me suis inspiré d'une journaliste qui s'appelle Caroline Mignot. Et quand moi, je voulais travailler dans la bouffe, elle avait son blog et j'aimais bien son blog. Et je me suis dit, si je veux me mettre à travailler à plein temps dans la bouffe, il faut que j'ai un genre de CV en ligne. Et donc, j'ai choisi un blog. Et comme c'était déjà ringard à l'époque, les blogs, j'ai forcément fait un compte Instagram avec. Et une page Facebook dont j'ai perdu l'accès il y a quelques années déjà. Ouais, Facebook. Ok. Donc, d'après ce qu'on a compris, tu vas continuer un peu sur les présentations. Tu es du coup journaliste food depuis peu. Ouais. Et avant ça, tu étais journaliste dans un secteur qui n'avait rien à voir. J'étais journaliste dans la musique. J'ai travaillé pendant 7 ans et demi pour un magazine qui s'appelle Tsugi, qui est un magazine de techno, rock indé et compagnie. C'est en CDI et tout, ce qui est dans la presse n'est pas vraiment très courant. Ouais. Et c'était chouette. Et pendant... cette longue aventure, j'ai interviewé une jeune femme qui fait de la musique qui n'a pas vraiment percé depuis, mais qui était sympathique. Et on est devenus amis Facebook. Et un jour, elle a mis sur Facebook que j'ai 2 copines qui lancent un magazine de bouffe et qui cherchent un CM. Et moi, j'étais fan de bouffe depuis toujours. Et même si je n'avais pas vraiment d'expérience de CM, je me suis dit « allons-y ». Et du coup, j'ai répondu à cette annonce via Facebook et j'ai rencontré Julie Mathieu, qui est une des 2 fondatrices de Food Pâtisserie. Qui m'a pris, je pense, parce qu'à mon avis, mon devis devait pas être très élevé. Et voilà. Et ça, c'était en juillet 2013, donc 2 mois avant le lancement de Food Pâtisserie. Ah ouais, donc dès le tout début de l'aventure. Ouais. Du coup, j'ai créé les réseaux sociaux de Food Pâtisserie.
Et ensuite, pour le numéro 2, je crois, il manquait quelqu'un pour faire un papier. Du coup, j'ai dit, je suis là. Je sais écrire aussi. Ouais, je sais écrire aussi. Du coup, j'ai pris un papier. Ensuite, j'en ai pris un autre. Trop bien. Ensuite, il y a Food Cuisine qui a été lancé. Donc, j'ai collaboré à Food Cuisine aussi. Et j'ai fini par quitter, il y a 3 ans, mon job dans la musique parce que j'avais envie de passer plus de temps dans la bouffe. Essentiellement, j'étais en CDI. Donc, déjà, cher ex-patron, je bossais un peu pendant que j'étais au bureau dans mon autre truc. Et surtout, j'étais invité à plein de trucs et j'avais pas le temps d'y aller, quoi. On okay. l'embrasse. Ah oui, donc du coup, c'est-à-dire que de 2013 à 2017, vu que tu as dit qu'il y a 3 ans, tu bossais encore pour les deux, pour ton journal. Ouais, ton journal. Donc en gros, je faisais plein de trucs le soir en rentrant chez moi. Donc c'était pas forcément très fun de cumuler les deux. Okay. Mais après, j'adorais bosser dans la musique aussi. C'est un métier hyper fun. Mm-hmm. Et puis, c'était pas des métiers très différents, c'était journaliste tous les deux. Ok. D'accord. Mais du coup, depuis, tu écris toujours pour Food Pâtisserie. Ouais. Et on va faire d'ailleurs notre auto-promo. Ah oui ? Parce que dans le dernier épisode de Food Pâtisserie. Épisode, non, pas du tout. Le dernier magazine. Numéro, la dernière édition. Tu as écrit quelque chose d'incroyable sur un super podcast, non mais bon. Hyper hype, qui est l'envers du dessert. Ok, ceci étant dit, merci déjà. Ouais, merci beaucoup, c'est ce qu'on voulait dire. Et du coup, moi j'avais une question. Donc quand on passe quand même du coup de journaliste musique à journaliste food, ouais. comme c'est ton cas maintenant, bon, ton rôle c'est toujours d'écrire, sauf que là en plus tu dois tester et donner ton avis sur des choses, non ? Alors, je suis pas vraiment critique. C'était ma question justement. Ouais. Quelle nuance ? C'est-à-dire que le critique gastronomique, en effet, il teste un resto et il fait un compte rendu de son expérience. Moi, ça, je le fais sur mon blog quand je mets mon blog à jour de temps en temps. Mais c'est pas vraiment mon métier. Mon métier, c'est plutôt. En fait, je parle que des choses que j'aime bien. C'est-à-dire que, par exemple, dans Food Pâtisserie, je vais faire un dossier sur un fruit et donc je vais. Parler du fruit, je vais interviewer un chef pour qu'il nous donne des astuces pour travailler ce fruit et je vais demander à d'autres chefs des recettes pour décliner ce fruit, donc je peux faire pareil pour Food Cuisine aussi ou alors je présente des jeunes adresses qui viennent de se lancer que j'aime bien et qui donnent une recette au passage aussi parce que Food Pâtisserie et Food Cuisine c'est quand même des magazines de recettes même s'il y a d'autres trucs très intéressants, des interviews etc. et je fais des interviews je suis pas vraiment critique gastronomique. Ouais, en fait c'est plutôt un travail de recherche que où tu exprimes un avis quoi. Ouais, c'est plutôt ça, j'exprime beaucoup mon avis parce que j'aime bien ça mais pas tellement dans les magazines pour lesquels je bosse. Ok, d'accord. Ouais, dans tes projets perso quoi. Dans ma vie de tous les jours. Ouais, parce qu'en fait, je dirais que c'est assez compliqué de saisir l'essence du journaliste culinaire parce que donc il y a ta plume pour les magazines, mais il y a aussi ta page Instagram. Mais en vrai, c'est vrai que tu signes François Blanc dans le magazine et sur Instagram et ton blog, c'est Om Nom Nom. Et du coup, c'est plus dans ce côté-là où tu vas donner ton avis et être un peu aussi influenceur en quelque sorte. Enfin, du coup, il s'est avéré que quand tu postes beaucoup de photos de pâtisserie sur Instagram, ça marche bien, ça marche plus que le salé. C'est pour ça qu'au final, il y a plus de gâteaux sur mon Instagram. C'est parce que les gens réagissent plus, même si moi, j'aime autant le sucré que le salé. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir quelques pèlerins qui me suivaient sur Instagram. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui te contactent. Comme beaucoup d'attachés de presse, même s'il y en a que j'aime beaucoup, ont tendance à te contacter sans lire ta bio de 3 lignes, qui ne savent pas que tu es journaliste. Et alors après, il y a plein d'influenceurs que j'aime bien. Moi, je ne me considère pas influenceur parce qu'il y a quand même des nuances. En tant qu'influenceur, parfois, on te propose des trucs un peu étranges. C'est toujours des gens qui t'approchent en te disant « Salut, tu es influenceur, on t'invite à manger. Par contre, tu dois faire 3 stories, un post, etc. » Moi, là, j'explique aux gens que je sais pas comme ça que ça se passe, que je vais, si vous voulez m'inviter, tant mieux, je le fais avec plaisir, parce que je peux pas payer pour tout ce que je goûte, sinon je fais plus d'argent, vu que c'est mon métier. Mais je leur dis, par contre, je poste ce que je veux, et si ça m'a plu, je vais en parler, forcément, et si ça m'a pas plu, j'en parlerai pas. Ça, c'est un autre parti pris, c'est, il y a des gens qui se disent, la grande question, c'est qu'est-ce que tu fais quand t'as pas aimé quelque chose? Oui, mais oui. C'est une question qu'on voulait te poser, ouais, parce que du coup, toi, on a compris que tu prenais le parti pris de ne pas en parler quand tu n'aimais pas. Ouais, en général, j'en parle pas. Par contre, je ne fais pas dans la vie dithyrambique. J'aime bien nuancer les trucs. Voilà. Et après, non, parce que, en fait,
C'est gênant de te dire quelqu'un t'a invité quelque part, il a l'air convaincu de ce qu'il fait, et toi tu vas dire quoi, c'est dégueulasse. On en a parlé avec justement Arnaud alias Fulgurobar dans l'épisode. Ouais. Il nous disait que c'était la même chose, qu'il se sentait très gêné et que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il avait commencé à refuser les invitations, tout simplement parce que comme ça il pouvait dire ce qu'il voulait. Mais alors ouais, et là on est, nos cas sont vraiment différents, c'est-à-dire que moi, dans la presse bouffe, il y a très peu de médias qui remboursent les repas de leurs journalistes. Il y a quelques médias à l'ancienne, comme Le Figaro, par exemple. Et la plupart des médias, dont ceux pour lesquels je travaille, ne remboursent pas. Donc, fonctionnent quand des attachés de presse ou des restaurants les convient. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait dans le même rapport et que c'est plus compliqué de tracher les gens. Ouais. Après, la déontologie, c'est ne pas mentir, c'est-à-dire ne pas parler de quelque chose qui t'a pas plu et dire du bien que des choses qui t'ont vraiment plu. Et pas... Il y a aussi beaucoup de gens qui encensent tout ce qu'ils font parce qu'ils ont envie de se faire réinviter. Oui, ça, c'est encore autre chose. Mais ça ne fait avancer personne, quoi. Mais du coup, quel est ton avis sur le fait de... Parce que quand on ne parle pas de quelque chose qui n'est pas bon... Bah, les gens vont pas savoir que, vont quand même continuer d'y aller sans savoir que c'est pas forcément une bonne cuisine ou que, il y a un accueil qui est désagréable, ceci, cela, quoi. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a pas plu. Par exemple, j'ai fait un restaurant semi-gastro il y a pas longtemps. C'était pas dégueulasse, mais j'ai trouvé que ça manquait de plein de trucs et que rien m'avait passionné. Donc là, j'en parle pas. Par contre, si tu te trouves dans un restaurant où les comportements sont volontairement négatifs, où tu vois bien que les gens se foutent de ta gueule, etc. Là, évidemment, là, faut en parler. Ouais, bien sûr. Il y a une différence entre les gens qui juste sont pas encore au top de ce qu'ils peuvent faire et des gens qui se foutent de ta gueule. C'est pas tout à fait le... Oui, et puis c'est pas non plus la même chose entre c'est pas mon goût personnel. Bon, je pense que ça peut plaire à d'autres gens, mais moi, en l'occurrence, ça me plaît pas. Ou ce comportement est inacceptable. Ouais. Alors moi, j'ai mes goûts personnels, mais je pense que je suis très très curieux, donc je suis capable de goûter et évaluer plein de choses. J'essaie de pas me limiter à mes goûts personnels. D'ailleurs, il n'y a rien de plus déprimant dans le métier de journaliste que les gens qui disent ça je vais pas aimer ou ça. Ouais. C'est hyper. Du coup moi je goûte et on voit après quoi. Puis au final c'est pas très professionnel finalement quand c'est ton métier de partir du principe ça je vais pas aimer. C'est souvent les. Je vais faire un peu de jeunisme mais les journalistes passés 50 ans qui ont des avis hyper tranchés sur tout. Qui veulent être entendus très fort, qui vont parler plus fort au dîner pour que quand il y a des repas de presse pour parler plus fort que les autres journalistes ou qui vont dire des trucs genre pourquoi il y a de la salade dans mon assiette, on n'est pas des lapins ou des trucs des trucs de vieux cons comme ça. Il y a beaucoup de vieux cons, oui. Il manque la viande dans mon assiette. Ouais. Non, voilà, en fait, il y a tellement la richesse de trucs, surtout qu'on est très très peu à être journaliste autant salé que sucré. Mm-hmm. Donc la richesse de trucs, c'est que tout m'est accessible, quoi. Je peux tout goûter et tout. Bon, alors là, on a la version positive et tout à l'heure en off, on parlait de la version négative, qui était que du coup, c'était deux fois plus de choses à manger. Ouais, c'est ça. Bah oui, après, c'est un peu moche de se plaindre. Non, c'est pas possible. De goûter plein de trucs et d'être... Après, il y a des moments difficiles pour le corps. Le corps souffre. Et puis nous, on ne peut que comprendre, vu qu'on est limité au sucré. Enfin, limité, on a choisi notre destin. Et on n'a pas encore autant d'invitations et de succès que toi, mais déjà, on a une petite saturation par moment. Certains jours, on est un peu en mode... Bon, tu dis ça parce qu'aujourd'hui, on a fait un goûter venant de trois adresses différentes. Ça fait beaucoup. Ouais, mais on aime ça aussi, hein, finalement. Alors, dans ta présentation, tu t'es aussi présenté comme auteur. Ouais. Et donc, tu vas sortir très bientôt cet épisode. Je crois que c'est le lendemain de la sortie de cet épisode, ou dans les jours qui suivent, ton premier livre qui est consacré à la pâtisserie. Pourquoi déjà la pâtisserie ? Quel beau travail de promo, merci beaucoup. En gros, je suis né à Paris, j'ai grandi en banlieue, mais je vis à Paris depuis très longtemps. Donc je baigne dans la pâtisserie parisienne depuis très longtemps. Et depuis 5-10 ans, il y a tellement de choses en pâtisserie à Paris que ça n'arrête jamais. Et ça fait 7 ans que je travaille pour Food Pâtisserie, donc mon quotidien, c'est d'aller dans tous les trucs nouveaux. Donc la pâtisserie parisienne, c'est peut-être le domaine que je connais le mieux. Et en ce moment, à Paris, il se passe des choses constamment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations qui se rencontrent. Il y a Pierre Hermé, Philippe Conchicini, il y a tous les trentenaires, Yann Couvreur, Cédric Grolet, etc. Il y a beaucoup de femmes qui commencent à avoir leur affaire, à accéder à des postes importants. Notamment pas mal de femmes qui sont en reconversion professionnelle, Maison Aleph, Mamiche, Hope dans le 10e, Jojo & Co. qui travaillait chez Canal+.
Voilà, la pâtisserie, elle est partout. C'est-à-dire que même il y a 10 ans, les boulangeries, c'était des flans un peu durs. Maintenant, des boulangeries comme Utopie, Beau et compagnie, ils font de la vraie pâtisserie évoluée. Et il y a les tea time. Ouais, en fait, il y a de plus en plus de boutiques, un peu de boulangeries qui font en fait aussi de la pâtisserie fine. Ouais. Alors qu'avant, c'était vraiment très... T'avais les pâtisseries qui ne vendaient que des pâtisseries très fines, etc. Et les boulangeries où c'était plus de la pâtisserie de quartier avec l'éclair au chocolat qu'on connaît tous, etc. Et maintenant, il y a un peu un mix des deux avec ces boulangeries, ouais, qui vont te faire de la pâtisserie fine. Ouais, un mélange des deux. Et puis en effet, t'as tous les tea time qui ont rendu une pâtisserie de luxe un peu plus accessible, on va dire. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a 10 ans, les Parisiens, ils n'allaient pas dans leurs hôtels pour manger des gâteaux, quoi. Non, ouais. C'est ça, ouais. Et ils n'allaient pas dans leurs hôtels du tout, d'ailleurs, je pense. Et du coup, ça, c'est assez nouveau. C'est des trucs... moi, je me souviens, quand j'ai fait 6 mois à Londres, quand j'étais stagiaire en 2007. Ça ne nous rajeunit pas. Mais... les gens, ils allaient boire des coups dans les hôtels et tout. Est-ce que à Paris, on faisait pas? Est-ce qu'il se fait c'est vrai. Maintenant et les tea time, et beaucoup des trentenaires hyper talentueux sont chefs dans des tea time et ils font des trucs super. Et c'est vrai que ça permet d'être l'occasion de rentrer dans les palaces, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'en tant qu'observateur du coup de la pâtisserie parisienne, tu vois une belle effervescence et des lignes qui bougent et ça t'a donné envie de faire un livre. Il se passe, ouais, voilà. En fait, en gros, ça n'arrête jamais. Il y a toujours 30 trucs qui ouvrent. C'est vrai qu'il y a plein d'ouvertures, ouais. Ouais. Et voilà. Et du coup, l'idée du livre, c'est un espèce d'état des lieux aujourd'hui de ce que moi j'appelle la nouvelle révolution, le nouvel âge d'or de la pâtisserie, pour faire un truc un peu pompeux. Mais voilà, et du coup, le livre, c'est ça, c'est l'état des lieux aujourd'hui de toutes ces choses-là, et c'est à la fois un bouquin de recettes et un livre parisien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jolis plans de Paris, et c'est par quartier, donc tu te balades un peu dans Paris en mangeant. Et c'était quand, l'ancien âge d'or de la pâtisserie? Ben, il y a plusieurs périodes. Il y a le nôtre, qui a été le... Je crois que ça a été le premier grand pâtissier médiatisé, et qui a, en 1970 ou un truc comme ça, a ouvert son école, et qui a lancé pas mal de transmissions et de choses comme ça. Et t'as Hermé et Conticini qui sont apparus dans les années 90 plutôt. Et après, t'as les années 1900. J'en parle un peu au début du bouquin tout en n'étant pas particulièrement spécialiste de la chose. Mais la deuxième moitié du 19e siècle, t'as pas mal de trucs à Paris, le Financier, le Saint-Honoré, la Bûche, le Millefeuille qui a changé de forme. Oui, parce que c'est vrai qu'après, t'as eu les années 2000 où il y a un peu l'apparition de tout un tas d'émissions sur la cuisine qui a remis un peu en valeur vraiment la cuisine. On parlait moins de la pâtisserie. Et je dirais, dans les années... Pas quand ça a commencé, mais les années 2010, quelque chose comme ça. Où là, justement, toutes ces émissions, il y a aussi l'équivalent un peu en pâtisserie. Et depuis, c'est vrai que la pâtisserie est très... Et puis, il y a quelque chose aussi... mise en avant. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est que maintenant, on suit les chefs. Mais je pense que Food Pâtisserie a particulièrement contribué à ça. C'est avec ses portraits de chefs, notamment. C'est qu'on suit les parcours de chefs. On en parlait avant, par exemple... Nicolas Alewin, qui a eu sa boutique Caramel et qui est donc désormais tout récemment chef chez La Durée. En fait, En fait, on va plutôt s'atteler plus qu'à une maison. On va vraiment suivre le parcours d'un chef parce qu'on va se rendre compte que c'est le chef a une vision et c'est vrai qu'on va suivre, on va apprécier en fait la vision d'un certain chef. Mmh. Et tu vois, il y a 2 ans ou il y a 1 an, il y a eu tout un mercato, un échange dans tout un tas de palaces de chefs. C'était en mode, oh là là, qui va remplacer qui? Ouais. Ça, après, ça n'intéresse que le petit milieu, j'imagine, les mercatos et les changements de place. Mais il y a eu une personne importante aussi dans l'aspect médiatique, c'est Michalak, qui en 2005, je crois, est champion du monde. Mmh. Il était déjà au Plaza à l'époque, et lui était très médiatisé parce que plutôt jeune et beau gosse, donc les médias s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, il a vachement participé à ça. En plus, il a beaucoup parlé de ses collègues, de ses pairs et tout. Donc ça, c'était assez positif pour le milieu. Donc, dans les années 2000, où il ne se passait pas forcément grand-chose, il y avait Michalak. Et après, plus récemment, c'est plutôt vers 2015-16, quand Cédric Grolet a commencé à se faire connaître au Meurice. Et puis qui a à nouveau reçu le titre de champion du monde. Enfin, non, pas champion, pas du tout. De meilleur pâtissier du monde. Il a reçu plusieurs fois ce titre. Et du coup, c'est vrai que Michalak, c'était le nom quand même que tout le monde connaissait, en tout cas de la... Je pense, du grand public. Aussi parce qu'après, il a fait son émission télévisée. Et il s'est placé comme... comme chef qui transmet, en plus qui rajeunit la pâtisserie avec son idée rock'n'roll et tout. Donc, il y a eu cette volonté de moderniser un peu la pâtisserie.
la rendre fun. Et est-ce que, enfin, là tu parles de Gros Lait, qui a quand même une notoriété qui a aidé pas mal par Instagram. On cite jamais les prénoms des chefs, je sais pas s'ils vont être très contents. Ah pardon, c'est moi qui fais ça. Je vais donner les prénoms des chefs, peut-être que ça fait pas très poli sinon. Cédric Gros Lait, c'est vrai. J'ai appris ça en rédigeant mon mémoire de littérature, c'est qu'il faut mettre les prénoms des auteurs quand ils sont encore en vie. Ouais. Ah oui. Et sinon on a le droit de mettre que les noms de famille. Bah, ils sont tous en vie, donc vas-y, Christophe Michalak. Cédric Gros Lait. Donc ouais, Cédric Gros Lait a une notoriété qui a été très poussée par Instagram. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres chefs. Enfin, typiquement, si on pense à Amaury Guichon, finalement, très peu de monde a eu l'occasion de goûter ce qu'il fait. Et pourtant, il a une notoriété folle grâce juste aux réseaux sociaux, quoi. Bah, c'est la magie de la pâtisserie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait plus rêver les gens que le salé. Ouais, parce que déjà, une assiette salée, c'est pas un élément, c'est plein de petits éléments. Alors que la pâtisserie, c'est un gâteau. C'est plus facile à voir, je pense. Mm-hmm. Ah. Et oui, Cédric Gros Lait aussi, je pense, il y a 95% de ses fans qui n'ont pas goûté ses gâteaux. Après, je comprends que les gens aient envie de rêver. Mais ça donne une image bizarre du milieu. C'est-à-dire que, par exemple, Amaury Guichon, que je ne connais pas personnellement, mais qui fait des trucs magnifiques. Il fait des trucs magnifiques, mais que les gens ne pourront jamais voir dans des boutiques, dans des pâtisseries. Donc, il donne une image un peu tronquée et l'impression qu'on peut faire ça en boutique, alors qu'en fait, c'est impossible à produire en grande quantité, c'est beaucoup trop complexe, etc. Donc, ça donne un truc à deux vitesses qui peut être trompeur pour les clients, je pense. Et puis aussi, c'est vrai que j'ai eu cette discussion avec une amie il n'y a pas longtemps, que je trouve que c'est une démarche hyper bizarre d'être pâtissier, de faire des gâteaux, mais de les proposer à personne, en fait. De faire des gâteaux, mais que personne, au final, peut vraiment goûter. On dirait que c'est pour l'amour de la technique. Ça dépend des ambitions de chacun. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chefs, de jeunes pâtissiers qui ont envie, par exemple, de monter à Paris et d'aller bosser dans les brigades des passes, etc. Il y en a qui n'ont pas forcément envie d'être dans ce rythme qui peut être, à mon avis, épuisant pour beaucoup. Et il y en a qui ont... Par exemple, Amaury Guichon, il a fondé une école, donc il fait des masterclass. Je comprends que ce ne soit pas désagréable comme vie. À mon avis, il va partout dans le monde et il prend des très gros chèques pour faire des cours aux gens. Après, moi, d'un point de vue de quelqu'un qui n'est pas chef, en effet, je me dis que tu dois avoir envie que les gens goûtent ce que tu fais. Mais peut-être qu'il le fera plus tard. Oui, parce qu'il est très jeune. Hein. Ouais. Il a 27 ans, quoi. C'est-à-dire... On disait que quand on regardait l'âge des chefs, parfois ça nous faisait un peu relativiser. Comme ils ont commencé à travailler super tôt aussi, vers 14 ans pour la plupart, ils ont un gros bagage et donc on peut arriver à 25 ans et être chef ou sous-chef dans un palace, enfin bref. Tu nous parlais du coup de tes pâtisseries de l'écosystème parisien et de tous les chefs pâtissiers que tu suivais ou toutes les pâtisseries que tu avais l'occasion de goûter. Est-ce que tu vas parfois, pour goûter la pâtisserie en particulier d'un chef, est-ce que tu fais des expéditions ailleurs en France ? Je fais rarement des expéditions en France. Déjà parce que Food Pâtisserie, c'est un magazine, c'est une petite équipe et tout. Donc on fait peu de voyages pour aller faire des shootings, etc. Pourtant, c'est quelque chose qui est hyper sympa à faire. Mais on devait aller, par exemple, au Pila ces jours-ci. Mais l'hôtel a dû fermer. Il y a un hôtel qui s'appelle Aïdza avec un pâtissier qui s'appelle Anthony Prunet qui fait des trucs super. Il y a une boutique de pâtisserie dans l'hôtel aussi. On devait aller faire un shooting là-bas et là, ça n'a pas pu se faire. On est allé à Nantes, par exemple, voir Vincent Gerlet. Mais moi, j'adorerais faire ça beaucoup. Après, ça ne fait pas partie du quotidien du magazine pour lequel je travaille. Ouais. Après, quand je suis en voyage, le premier truc que je regarde, c'est où sont les gâteaux et qu'est-ce que je peux bouffer, quoi. On ne peut plus voyager normalement. Hein. Non. En fait... La food, c'est partout, c'est tout le temps, quoi. Même quand t'es en vacances, c'est pas que ton métier finalement. Je pense que quand t'es en vacances, c'est un point tourisme hyper important. Ouais. Mes destinations, ça fait partie des choses que je regarde. Ouais. Je sais que quand je voyage, si j'ai pas réussi à bien manger, je vais dire. C'était beau, hein, mais c'était pas si... Non, je suis d'accord avec François sur le fait même de choisir ta destination en fonction d'eux. Ouais, c'est on vrai. En est là. Enfin... Bah, moi, je rêverais d'aller au Japon, par exemple. C'est pas juste pour acheter des jeux vidéo. Ouais, clairement. Ou pour voir le mont Fuji. Fuji, je l'ai mal dit. J'ai été au Japon et en effet, heureusement que j'ai beaucoup marché parce que sinon j'aurais pris quelques kilos. Parce que pour le coup, c'est vrai que le Japon et Tokyo, c'est aussi une grosse capitale qui aime beaucoup la pâtisserie. Et du coup, il y a beaucoup de bonnes adresses. C'est l'autre
pays qui fait beaucoup de pâtisseries. Je c'est ce que je dis au tout début du bouquin, c'est que autant en salé, on a plein de concurrents, autant en sucré, la France, c'est quand même très très loin devant les autres. Ouais, et par contre, le Japon, ils font énormément de choses chouettes. Mais eux, c'est très divisé entre la pâtisserie traditionnelle et beaucoup de choses d'inspiration plus européanisée, quoi. Ouais. Bah, en fait, ça vient surtout que ils se forment beaucoup. Ils viennent, il y en a beaucoup qui viennent se former en France et du coup, ils repartent avec un bagage et une pâtisserie un peu d'inspiration française, quoi. Mais c'est drôle, par exemple, Mori Yoshida, qui est un des pâtissiers vraiment connus ici, il veut pas faire de trucs japonais. Et quand on veut parler d'huile dans la presse, par exemple, il tient à ce que ce soit avec des recettes non japonaises. Et il est dans le livre, en l'occurrence. Et après, je vais arrêter de parler de mon bouquin. On dirait vraiment que le mec essaie de placer à chaque phrase. Mais moi, je voulais faire, je sais plus, un cake au matcha, par exemple. Et il m'a dit, enfin, pas lui, la personne qui travaille avec lui et qui s'occupe un peu de la traduction, m'a dit non, on veut vraiment pas mettre en avant les créations japonaises, c'est pas l'esprit. Lui, ce qu'il veut, c'est un vrai hommage à il veut française. Maîtriser la technique, d'ailleurs il le fait parfaitement française. Oui, c'est bon, il y est arrivé, je crois. Clairement. Mais c'est ça qu'il veut représenter, honorer, quoi. C'est marrant, c'est un peu un contraste avec, pour le coup, Sadaharu Aoki, qui lui, pour le coup, fait des pâtisseries saveur très japonaise, quoi. Mais là, mais la différence, c'est que Sadaharu Aoki, il est vraiment, maintenant en tout cas, il est vraiment basé au Japon, et la France, c'est son deuxième territoire. Quoi. Il y est rarement, il s'y intéresse beaucoup moins, en tout cas beaucoup moins que quand il a ouvert la boutique, alors que Mori, il est... Et oui, il est qu'apparu. Mais c'est vrai que ce que tu disais sur le fait que dans le monde, à part le Japon, il n'y avait pas forcément trop de pays avec une grande tradition sucrée. Moi, j'avais été confrontée à ça quand j'étais partie en tour du monde, parce que je voulais faire un tour du monde aussi de la pâtisserie, et c'est pas possible, en fait. Du coup, j'avais transformé ça en un tour du monde culinaire, où j'avais été, du coup, faire de la cuisine aussi, parce que, tout simplement, déjà, il y a beaucoup de pays, quand j'étais en Asie du Sud-Est, où il n'y a pas de sucre. Ouais. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, enfin, il n'y a pas de tradition sucrée du tout, en fait. Et j'ai pas encore été en Amérique du Sud, donc je sais pas comment c'est, mais c'est vrai que... Ou alors, les choses qu'on trouve, c'est français, quoi. Mais Clément, je sais pas si vous connaissez la pâtisserie Le Bon, c'est dans le 11e. Ils sont hyper sympas, c'est très bon, ils ont ouvert il y a moins d'un an, et j'y étais vendredi. Clément, le chef, il est d'origine cambodgienne, et il est né là-bas, d'après ce que j'ai compris, il y est retourné, etc. Et il me disait pareil, il me disait, en fait, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de produits laitiers, les matières grasses, c'est pas ça. En fait, c'est culturel, et c'est aussi parce que moi, du coup... J'ai fait pas mal de pays, dont l'Amérique du Sud, et à chaque fois je veux goûter des gâteaux, et en fait je trouve qu'ils ont c'est vraiment aussi un problème de savoir-faire, parce que tu vas trouver des boutiques qui vont vouloir faire de la pâtisserie un peu fine, mais tu sens que dans la réalisation, dans le savoir-faire, je sais pas si c'est des lacunes, mais par rapport à ce que nous on peut connaître en France, c'est des choses où on va se dire qu'il y a, y a des lacunes, et en effet il y a aussi un manque de production des ingrédients. J'adorerais que vous ayez la vidéo avec ça, parce qu'il y a Vincent qui cherche ses mots soigneusement pour ne pas être trop snob ou méchant. Et chauve. Hein. Et c'est hyper drôle à voir. Toi qui aimes le flan, en Amérique du Sud, il y a du flan partout normalement. Ouais, mais pour le coup, tu parlais des fameux flans à l'ancienne très compacts. Moi, j'aime les flans très crémeux, genre Quentin Le Chat, etc. Du coup, t'aimes le flan de Yann Mengui ? J'adore le flan de Yann Mengui. Ah, ok. C'est fou, ça. Ok, ok. Non, mais je trouve ça bien que nos auditeurs le sachent. C'est vrai. C'est bon, il a été mentionné. Et du coup, c'était pas le cas en Amérique du Sud. Non, c'était pas le cas. Ils sont très compacts. On va pas être trop chauvin non plus. L'Italie, ils ont quand même pas mal de traditions sucrées. Il y a d'autres pays qui ont des traditions intéressantes. En fait, l'Europe. Mais même en Italie, il n'y a pas la diversité qu'il y a ici, quoi, on va dire. C'est vrai. Et puis même, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en Italie du côté traditionnel et des ingrédients et même du temps de travail. Mais en tout cas, du côté technique ou variété des techniques, c'est peut-être... plutôt chez nous que ça se passe. Mais c'est terrible, cette discussion, il faut qu'on arrête. Non, alors après, il y a des techniques qui sont théoriquement pas d'ici. La viennoiserie, c'est plus ou moins autrichien. C'est vrai. La pâte à choux, c'est italien, je crois. Le baba, c'est
peut-être polonais. Il y a, à chaque fois, il y a, ouais, plein, il y a oui. plein de versions. Tout le monde a sa version un peu. Ça fait, mais ouais. La version officielle de, sur la pâte à choux, enfin officielle de chez Popelini, c'est que c'est Monsieur Popelini qui l'a inventé. Et... Ah oui. Ouais, ouais. Il y a plein de. Bah, c'est comme la chantilly, ça dit ou c'est ouais. italien ou c'est français. C'est... Bon, non, la chantilly, ça ne peut pas être italien. Bon, ça n'est pas possible. On ne rentrera pas dans le c'est débat. C'est ma passion. Ah, mais d'accord, c'est quoi ta pâtisserie préférée d'ailleurs ? Eh ben, le flan. Le flan, ouais. Le flan, le Saint-Honoré. Ah bah. Classique. Moi, j'adore la chantilly déjà. Donc, okay. Si dans le Saint-Honoré il y a de la chantilly et pas que de la giboust, ça me va très bien. Mm-hmm. Après, j'aime beaucoup de choses. Il faut qu'on rappelle ce que c'est qu'une crème chiboust et je vais laisser Vincent le faire. Très bien. Une crème chiboust, c'est une crème avec un mélange de meringue et de crème pâtissière. Superbe, superbe. Voilà. Eh bien, on va passer à une question rituelle parce que, vu ton petit parcours, je pense que notre deuxième question rituelle va peut-être être un peu longue, vu que tu connais à peu près toutes les adresses de Paris. Mais on va commencer par la première, que tu connais peut-être, vu que tu nous as dit que tu avais déjà écouté des épisodes. À ton avis, pourquoi à ton avis ? Je ne sais pas. Quel a été ton premier souvenir sucré ? Ah oui, c'est la classique, celle-là. Mon premier souvenir sucré, d'ailleurs, je la remercie. Y a une amie de mes parents qui, quand j'étais tout petit, on était en vacances avec mon meilleur ami, et qui nous a offert ce qu'on appelait une cuillère magique à l'époque. C'est l'espèce de petit fouet à sauce, des cuillères avec un ressort au bout qui, en théorie, sont faits pour lier les sauces, par exemple. Et elle nous a offert ça, et elle nous a appris à faire un clafoutis avec... Et c'est un truc qui m'a vachement marqué, c'est mon premier souvenir d'avoir fait un gâteau. Mmh. Et du coup, ça m'a marqué, alors que j'ai même pas une passion pour le clafoutis, mais on retrouve le flan. Oui, c'est ce que voilà, je veux dire. Ça peut être. Mais l'acte de le faire, c'était important. Et puis après, j'ai des souvenirs de ma mère qui faisait toujours une tarte au citron qui était très bonne. Bah, tarte citron avec ça. L'appareil qui passe au four. Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne, ouais, tout à fait. Ah, c'est vrai que maintenant, ça se fait plus trop. Ce fameux crémeux citron qui cuisait avec la pâte. Là. Chez Bontemps, tu as ça, justement. C'est vrai ? La tarte au citron. Bah écoute, enchaînons avec cette deuxième question, tu l'as fait magnifiquement bien. Quelles sont tes petites adresses, du coup, que tu recommandes, tes petits coups de cœur ? Parce que bon, nous donne pas toutes les adresses qu'il y a dans ton bouquin, parce que je pense que là, on va faire un épisode d'une heure. On va y passer longtemps. Mais dans les récents, Le Bon, c'est très sympa. Ils ont ouvert en novembre dernier, ou fin octobre. Ils se sont tapés 2 mois de confinement, peu de temps après leur ouverture, pendant leur premier pack. Et voilà. Et du coup, c'est un petit couple. Pour ceux qui connaissent les boulangeries parisiennes, ils travaillent tous les deux chez Pimpin. Okay. Lui était chef pâtissier de Pimpin et elle était dans l'équipe de boutique. Et ils se sont décidés à monter ça ensemble. La boutique est toute mignonne, toutes les créations sont modernes. La pâtisserie la plus chère est à 5,70, donc c'est assez raisonnable. Ouais, voilà, donc ça c'est très bien. Après, à côté de chez moi, il y a Bontemps qui fait les meilleures tartes de Paris, probablement. Et il y a un beau salon de thé aussi. C'est pas les mêmes prix, par contre, ça monte un peu. Ouais. Après, quoi d'autre c'est marrant parce que quand j'ai commencé à travailler dans la musique en tant que journaliste, le premier truc que m'a dit mon patron, c'est on n'est pas là pour être copains avec les artistes. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai retenu, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment beaucoup copiné. Ou alors c'est juste parce que je suis pas sympa, je sais pas. Mais et du coup, voilà. Et après, à force de bosser avec les gens, on finit par copiner quand même un peu, même si on est d'un côté et d'un autre de la barrière. Et du coup, j'ai quand même bien copiné avec Myriam Sabed de Maison Aleph, okay. que j'aime beaucoup, qui est très sympa, qui a un point de vue très, très unique. C'est-à-dire qu'elle, elle a grandi en Syrie jusqu'à 10 ans, je crois. Et ensuite, elle est en France, elle a bossé dans d'autres domaines, elle a fini par monter sa pâtisserie et elle a créé une espèce de fusion étrange et à la fois magnifique entre les saveurs de son enfance et des techniques, pour le coup, vraiment françaises. Et donc, ça donne une espèce de pâtisserie levantine, mais qui choquera pas les Français, quoi, parce que c'est léger en sucre, c'est hyper, hyper bien fait. C'est léger en sucre, en texture, c'est croustillant, enfin bref. Donc voilà, allez-y. Je pense que tu as pas mal donné envie d'y aller, là. Ouais. Vu comment t'en as parlé. Je vais aller lui demander mon chèque. C'est ça. Okay. Et vu que tu as la particularité d'être journaliste autant salé que sucré, est-ce que tu veux nous donner une ou deux adresses salées ? Oh bah ouais, tiens. Il y en a tellement. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le sucré, il y en a beaucoup, mais alors le salé, il y en a des milliards. Si vous voulez, si vous connaissez Grégory Marchand, le chef du Frenchie qui a une étoile, il a ouvert le Frenchie Pigalle dans un hôtel à Pigalle, que je conseille beaucoup, c'est absolument délicieux. Et
Le Bon Plan, pour revenir au sucré, à deux numéros à côté, c'est rue Victor Massé, dans le 9e. Deux numéros à côté, il y a un truc très original qui s'appelle Les Commères. Oui. Ah oui, le bar. Bar à cocktail et pâtisserie, tenu par une jeune femme que je n'ai pas rencontrée personnellement, mais j'ai mangé des trucs bons là-bas. Et donc, ça, c'est chouette aussi. Si vous voulez manger une pâtisserie et avoir un cocktail qui va avec... Et la pâtisserie est dressée minute. Ouais. Du coup, par exemple, tu peux choisir ton chou et choisir de quoi il sera garni. Oui, tout à fait. Et ça, c'est assez chouette parce qu'en boutique, les choux sont rarement aussi croustillants. Mmh. Ok. Très chouette. Bah. Et donc, on est gâtés. Eh bah, ma foi, on n'a pas fini l'exploration parisienne. Hein, non, clairement. Je crois. clairement. Et puis, bah, écoute, ton bouquin, du coup, qui sort demain. Il sort le 24 septembre, tout à fait. Donc demain, car on est en live, évidemment, au moment où vous l'écoutez. Pas du tout. Merci beaucoup, François. Bah, merci à vous. Et à bientôt. Et merci pour le goûter. Oui. Bah oui, on va le finir d'ailleurs parce qu'on a vu les yeux plus gros que le ventre, il en reste plein, mais bon. Du coup, on a fait une petite pause, on va s'y remettre. Hein. Allez, ciao. Salut. Ciao, salut. C'est conclure le plus difficile, je crois. Bon, vous avez pu le voir, on a un peu galéré sur la conclusion, mais pourtant, d'habitude, conclure, on sait très bien faire. Sinon, on espère que les épisodes vous a plu. Et si il vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou même mieux, nous laisser un petit commentaire. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet l'enversdudessert.com pour vous inscrire à la newsletter, et bien sûr sur notre compte Instagram, @l'envers-du-dessert, où vous pouvez retrouver la recette que François nous partagera, évidemment, de son livre. Et voilà, son livre qui sort demain. Allez, c'est cadeau. Et vous pouvez également... Parce qu'on l'a pas assez dit, je crois. Vous pouvez également retrouver François sur Instagram. On partagera son compte dans la description. Mais c'est omnomnomnom tout simplement. Et puis, à qui est-ce qu'on dit merci? Eh bien, évidemment, on remercie l'artiste 12 qui nous a fait encore une fois les musiques et le mixage de l'épisode. Et puis, on dit merci à vous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à mercredi prochain. Et merci David. À mercredi prochain.